sur la radio des CM2 de Chamblay. Ah ouais, grave. Bonjour à tous. Bonjour. Alors les enfants, vous vous souvenez, nous allons participer au mois de mai à Expo Science. Nous allons présenter notre poulailler. Et cette année, c'est la 30e édition de cet événement. Pour fêter ça, on cherche un parrain. Qu'est-ce que vous pensez de Thomas Pesquet? Moi, je sais qu'il participe beaucoup à des actions solidaires comme les Restos du Cœur. J'adore trop. En plus, ça aide plein de personnes à se sentir mieux. Il a été dans l'espace. Ils sont peu nombreux. J'aimerais avoir la chance de le rencontrer. Et moi, aller dans l'espace. J'ai plein de questions à lui poser. En plus, il joue du saxophone. J'adore trop la musique. J'ai vu qu'il était sportif, il a dû s'entraîner avant de partir. Dans l'espace, ils ont même organisé des petits Jeux Olympiques. Je suis fan. En plus, il est trop beau. Bon, restons sérieux quand même. J'aimerais savoir combien de temps il est resté dans l'espace. Et moi, comment il s'est douché? Il avait bien amené un blob. Est-ce qu'il s'est développé? Est-ce qu'il a poussé en 3D? Et pourquoi on ne pourrait pas lui proposer d'emmener notre poulailler dans l'espace ou des œufs en couveuse? Bon, y a pas. Il faut qu'il vienne. Ah ouais, grave. Trop de la balle. Thomas, on t'attend. Thomas, on t'attend. Thomas, on t'attend. Bon, merci les enfants. Et maintenant, on croise les doigts. Ouais. Bienvenue sur la radio des CM2 de Chamblay. Ah ouais, grave.